Ça m'étonnerait. Lisa, il a peut-être encore un physique un peu ingrat, mais un jour, il deviendra sûrement un merveilleux crocodile. Comme j'aime te caresser, sentir mes mains glisser sur ton corps. Mais ce matin, il faut que j'aille, j'ai un rendez-vous. On jouera plus tard. Ah, quelle bonne odeur! I do achy breaky dance. Bon, il faudrait que je m'habille. C'est humide, franchement, là. Pas mal humide, même. Quand j'aurai l'inspiration, je peux... Hey, Jerry! T'es-tu ici? Ouais, viens donc frotter le dos, là. Je suis rendu au dos. Hein? Non, c'est ça, j'ai de la misère un peu, là. OK, j'arrive. Bon. Ouais, c'est ça, le dos comme il faut, là. Ouais, ah, bon, OK, un petit peu de l'autre côté, là. Bon, c'est ça. C'est les oreilles nettes? Non, ah. L'autre bord. OK. Bon, allez, ça va, là. Allez, on va mettre un peu de stuff, là. Bon, ouais, c'est ça, frotte comme vous, par exemple, là. Bon, OK, good. Bon, ben c'est bon, merci. OK, tu vas être capable tout seul? Ouais. OK. Salut. Merci, Jerry, salut, là. Bon. Ouais, les gens, j'arrive, ça sera pas long. Colin, il est 2h15, Jerry, t'aurais dû me le dire, je me dépêche, là. C'est comme d'habitude, t'es ici à 2h15. Ouais, ben là, Colin, je suis arrivé tard hier, j'ai pas eu le temps de me coucher, attends un peu. Là. Ah. Comme j'aime sentir ton corps contre mon corps. Laisser glisser mes doigts sur ta touche. Entendre ton son. Oui. Ah! Oh, fardoche! Je continue? Je baise avec fardoche? Une grande prestation. Sans passer pour, hein? Ben, c'est long, bout là. Voudrais dire que je suis. Pas dire que je suis. T'as pas ça, on dirait les paroles au slow après. OK. T'en reste pas depuis ce temps-là. Non. La lumière rouge est allumée, je connais. Martine, rentre en scène, là. Ouais, tout est mêlé. Là, tout va pas de bon sens. OK. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, t'as pas pratiqué pendant la semaine? Ben non, il manque la musique. Il manque les paroles. Non, mais t'as pas pratiqué pendant la semaine? Recommence ça. Je joue trop, m'amuse-toi de l'informatique. C'est tout ça? Ben, c'est pas pire, là, mais... Ressemble-tu? C'est bon. Arrête de colle. Pourquoi dit-on que ça va bien quand ça ne file pas, on est sans dessin? Pourquoi dire oui quand on veut dire non? Donc, père et fils, Gérard!
Elle m'a été bon, ses paroles en synchro. Sur le mur, portrait dont elle aime l'artiste. Mais qui est Seigneur, Isabelle? Où se cache-t-elle? Dans ses tiroirs, derrière la porte. Est-ce Isabelle dans cette merveilleuse robe de chambre? Isabelle, cette personnalité dont on ne peut saisir l'essence. Lecture intellectuelle, petite bouffe en soirée. Isabelle se cantonne dans son futon. Isabelle, la mystérieuse. La nuit, Isabelle se déguise. La nuit, Isabelle se débauche. Est comme un violon. Son corps est comme un violon. Fait l'amour. Quand elle fait l'amour. Et chaque soir, Isabelle profite de cet instant privilégié pour communiquer avec son Dieu qui la protège. Isabelle, c'est elle qui compose les chansons pour les groupes de musique. C'est elle qui en compose les partitions. Et elle les vend 70$ chacune à Philippe Gendron. Alors les jeunes, voici Isabelle dans son dernier succès. Ouh, on avait... Je me suis demandé à faire qu'on joue aux cartes comme ça à chaque dimanche après-midi. Moi, ça me fait du bien, hein? Ah, ça détend, là. Bon. Non, ouais. C'est ça. Ça m'empêche de faire du ménage. Moi, C'est qui a gagné? Moi non plus, je... Donc, on a rien, toi. Ne jouez pas! Alex, à chaque semaine, tu fais... Ah ouais, mais Colin, je suis pas pour... J'ai pris une salle, j'ai pas eu une grosse rétro, moi. 100$. Elle a 350, c'est long, ça. Bon. 350. Je mets une petite chose, en plus. Chose, il vaut combien, ton salaire? C'est 50$. Égalisé. Bon, on ouvre. Hélène, elle bluffe tout le temps, hein? Elle bluffe tout le temps. Let's go, Phil, t'es capable de... Ben, j'ai rien! Je me l'ai fait! Moi, je vais me faire dedans! Bon, ben, Colin, non! Regarde tout le temps! Mais t'as une paire de serres! Ben, Hélène, remets-moi mon 350$! Ah, mais ok, c'est vrai! 100, 200, 300, 350. Ah, moi, je vais en faire une maison, là, puis elle va être plus grosse que la tienne, ok? Ça va bien comme la mienne, ça. Regarde la mienne.
Ah, mais regarde, moi, j'ai des roulettes. Ben, je peux en mettre des roulettes, par exemple. Regarde, je vais l'éclairer, par exemple. Il n'y a pas de batterie dedans. Ça marche pas. C'est joué tôt, il n'y a pas de batterie. Batteries. Va chercher des batteries. On n'en désirera pas. Comment ça, j'en aurais pas? Parce que tu ne m'éclaireras pas. Bon, d'abord, je vais faire une maison plus grosse que la tienne. Toi, ta chose, tu veux faire une maison? Hein? Ah ouais, donc. Ah, mais là, des roulettes en haut, ça marchera pas, hein? Non. Ça en va. Ah oui, regarde, ça marche! Pout, pout, hey, pout, 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 il est fou, lui, hein? Écoute donc, là, tu penses pas de commencer à travailler à 3 heures? C'est ben trop vrai, mais faut que j'y aille. J'y aille, certain. Ben, salut, Gilles! Salut, là. Fait plaisir de t'avoir gardé. OK, alors nous sommes présentement à l'université où Nancy étudie en toxicomanie pour poser des questions, à savoir si les gens qui étudient avec elle connaissent les grands talents de Nancy au golf. Alors, monsieur, vous connaissez bien Nancy Tétrault? Oui. Saviez-vous que Nancy Tétrault est le futur espoir dans le golf féminin au Québec? Du tout. Est-ce que Nancy vous parle de ses performances au golf pendant ses cours? Non, très rarement. Êtes-vous capable de nous décrire en quelques mots qui est Nancy Tétrault pour vous? Oh, une jeune fille spontanée, remplie de vitalité, beaucoup d'ouverture d'esprit. Croyez-vous qu'il y a de la drogue en arrière de ça? Aucunement. Croyez-vous que Nancy Tétrault est capable d'être en charge d'une vingtaine de jeunes en Angleterre? Oh, en Angleterre, n'importe où, je pense. Merci beaucoup, monsieur. Alors, bonjour, votre nom, s'il vous plaît? Marcel. Bonjour, Marcel. Nancy Tétrault. Oui. Quelle personne difficile à cerner. Êtes-vous capable de nous la cerner en quelques mots pour nous? Nancy Tétrault est une fille joviable, aimant la vie, qui est très responsable, je crois, qui est intéressée dans les sports et dans toute activité. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer Nancy Tétrault en train de conduire un minibus avec 16 jeunes? Je la verrais là, oui, facilement, parce que je connais pas ses talents de conducteur, mais je crois qu'elle est assez responsable. Êtes-vous au courant qu'elle a déjà été impliquée dans un gros accident d'avion parce qu'elle avait décidé de conduire l'avion à la place du pilote pour amener les jeunes de France au Québec? Non, je n'ai pas entendu parler de cet incident, mais je la croirais capable de conduire un avion. Vous la croyez même capable de conduire un avion? Oui, parce qu'elle me semble avoir beaucoup de talent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous soupçonnez Nancy d'être incapable de faire? Je ne le croirais pas. Je la mets à toute épreuve. Êtes-vous intéressé si jamais Nancy tombe célibataire? Malheureusement, je suis engagé. Je vous remercie beaucoup. Moi, c'est Sylvie. Bonjour, Sylvie. Tu sais que Nancy est une femme dont plusieurs hommes tombent amoureux. Tu sais que Nancy a plusieurs hommes qui lui envoient des lettres à chaque jour. As-tu été témoin de ses charmes auprès des garçons à l'intérieur de ton cours? Ben là, à date, tu m'apprends bien des choses, là. Mais si j'ai été témoin de tout ça, probablement avec Marcel, oui. Nancy Tétrault usait de charme avec Marcel. Ah, bien sûr. Tu la vois pas, toi. Hey, quand elle se met à se laisser aller, là. Quand t'entends se laisser aller, qu'est-ce que tu entends par se laisser aller? Ah, bien, Nancy est capable de faire plein de choses, hein. Se laisser aller, c'est tout ce que tu peux imaginer. Ah, j'imagine beaucoup de choses, là. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé qu'elle travaillait dans une maison de jeunes? Oui. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé des animateurs? Bien, je sais qu'elle en est une. Les autres, non. Elle t'a jamais parlé des autres animateurs? Même pas d'Alexandre?
Pas du tout. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, les merveilleuses interventions qu'elle faisait avec les jeunes, mais ça s'arrêtait là. Elle t'a pas parlé du tout du type d'intervention que les autres animateurs peuvent faire? Malheureusement, non. Je vous laisse imaginer la suite. Est-ce que Nancy Tétrault serait égoïste à ce point? Ben là, faudrait voir avec elle. Mais... Il est présentement 10h30 le matin, on est un dimanche matin et on s'en va chez Marie-Hélène, meilleure amie de Nancy, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur Nancy Tétrault. Alors, il est vraiment 10h30 le matin. Ding-dong, je viens de sonner. 919, on ne divulguera pas l'adresse au complet. Et ça répond! Bonjour, Marie-Hélène. Salut, Philippe. Es-tu en forme? Pas tellement, non. Écoute, on a choisi un petit moment comme ça, arrivé à 10h30 dimanche matin, pour te demander un petit peu... Décris-nous Nancy Tétrault. Ça, c'est Nancy ici. Hein? Ça, c'est Nancy. Exactement comme ça. Nancy Tétrault, comme moi. Shirt, T-shirt, les cheveux un petit peu mêlés, c'est Nancy. Peut-être un petit peu moins endormie, par exemple. Aurais-tu un petit souvenir d'enfance à nous raconter? Quelque chose que tu as vécu avec Nancy? Quelque chose d'étrange? Aucune censure, vas-y, t'es capable. C'est un petit peu, là. Marie-Hélène, écoute, cet été, on a tous vu que Nancy était totalement dévisagée. Et moi, je connais la vraie version des faits. Nancy nous racontait qu'elle s'était fait péter à gueule par un coup de coude en jouant au soccer, mais Marie-Hélène connaît la vraie version de l'histoire. Alors, c'est quoi? Pourquoi un œil au bar noir? Ben, la vérité, c'est que moi puis Marthe, c'était dans la poche depuis longtemps, puis elle me l'a volé. Puis là, j'étais tannée. Martin est venu au match, puis j'en ai plus capable, fait que j'en ai calissé un queue dans l'œil. Ah, c'est ça, c'est toi qui as pété à gueule à Nancy? Oui, c'est ça, c'est la vérité. Est-ce que la vérité choque? Moi, ça me choque en tabarnouche. Je te remercie, Marie-Hélène. Ça me fait plaisir. Excuse Nancy, hein? Moi, Martin, c'est fini. Est-ce que tu t'en vas te coucher, là? Non, je me levais. Bon, ben, on va rester ici, on va déjeuner. Venez. Joue-moi donc quelque chose. Je suis pas accordé, hein? Accorde-toi, sais-tu t'accorder? Ben, Philippe me l'a montré. Pas correct, hein? C'est pas comme ça qu'on s'accorde. C'est comment? Je vais te montrer comment t'accorder. OK. Passe-moi tes guitares. Faut-tu que je mette de la distorsion? Non, non, fais juste monter le son un petit peu. Nancy, je suis présentement au 148 Philippe Musso. Je suis venue rencontrer les parents de Philippe. Malheureusement, comme Philippe travaille beaucoup, ses parents ne l'ont pas vu depuis l'âge de 2 ans. Par contre, en faisant des recherches, j'ai pu, à la polyvalente de Mortagne, découvrir cette photo. Alors, nous tenterons, avec ses parents, d'identifier Philippe et de savoir si quelqu'un à la ville de Boucherville ne l'aurait pas vu. Alors, je vous présente ses parents. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir surtout de voir Philippe. As-tu vu cette Bonjour photo? Nancy. Ah, oh, mon Dieu, qu'il a bien vieilli. Ouf. Il te ressemble. Ça fait un bon bout de temps, ça.
Quel âge il y avait à ce moment-là? Là? Quel âge? Ah, là, il devait être à la polyvalente. Là. Je pense que c'est des photos de finissant. Secondaire 5. Ah, la dernière fois que nous l'avons vu, il avait 2 ans. D'ailleurs, on l'a... On l'a quoi? Sur une pinte de lait. On la regarde chaque matin, vois-tu. Oh. C'est sa photo. C'est la dernière photo qu'on a de lui ici. Franchement, ça nous permet au moins chaque matin là, de se remémorer un peu de notre fils parce qu'on le voit vraiment pas souvent. D'ailleurs, si jamais vous le voyez, dites-lui, on a accumulé ses cadeaux de Noël. Depuis les 17 dernières années. Depuis les 17 dernières années. Là, ça nous prend même une pièce pour les mettre, les remiser là, parce qu'on ne réussit pas à le voir. Donc, on les garde là, puis on espère qu'un jour, il va venir nous voir. On a entendu parler qu'il était à la maison des jeunes, là, mais on n'a pas réussi à l'atteindre. Il y a tellement de jeunes, là, pas capable de voir notre fils. On aimerait ça qu'il vienne faire un tour à la maison des vieux. Hein? Alors, on garde espoir chez les Gendreau. Et si jamais, Philippe, tu es à l'écoute ou toute personne ayant vu quelqu'un qui ressemble à cette photo, nous vous prions de téléphoner au 449-8346. Merci beaucoup. Tout le monde croit que quand je mange de la pizza, c'est à la maison des jeunes. Ben c'est pas vrai. Parce que moi, de la pizza, quand j'en mange, ben je m'organise tout le temps pour m'en garder un petit peu en quelque part. Alors, première cachette. Ça, c'est pour le lundi soir, OK? Quand j'ai une petite fringale. Des fois, en écoutant la télévision, j'ai faim aussi. Ben je me garde toujours une petite portion, juste au cas. Juste au cas. Avant de partir pour l'école, avant, je mangeais pas. Ben maintenant, la dernière minute est réglée parce que... j'ai mon snack! Vous autres, vous le savez peut-être pas, mais je chauffe pas beaucoup chez nous. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Fait que pour garder ma pizza au chaud, ben, je la garde dans mes couvertes. Quand ma pizza est trop grasse, ben, je la lave.
Mais celle que je préfère par-dessus tout, c'est évidemment celle qui est la plus fraîche. Ça, c'est gardé au frais. Alors, on est présentement près de chez Marie-Ève Dupont. Oui, vous savez, Marie-Ève, c'est la pitoune de char. Alors, on sait que Marie-Ève aime les voitures. Mais d'où ça vient, ça? D'où vient son goût et son intérêt pour les voitures? Est-ce que c'est les voitures elles-mêmes ou est-ce que ça serait génétique? Alors, on a pensé aller faire une entrevue avec la mère de Marie-Ève. Alors, bonjour. Bonjour. Votre fille est une pitoune de char. Est-ce que vous avez une idée d'où ça vient, ça? Non, vraiment, là, ça vient pas de moi. C'est pas génétique, c'est sûr. Vous, les autos, ça vous intéresse pas? Il y a rien qui vous intéresse dans les voitures? Pas vraiment. Non, non, c'est pas les voitures. Moi, c'est les motos. Ah, parce que vous, c'est les motos. Vous êtes une pitoune de moto. Les pitounes de moto. Ah, ben là, on commence à comprendre c'est quoi cette histoire-là. Mais de Marie-Ève, les voitures, là, c'est, je sais pas d'où ça vient, ça, franchement. Là. Marie-Ève, elle aime les voitures, mais moi, c'est vraiment, j'ai honte de ça, là, franchement. Là. J'ai vraiment honte. Ben, merci beaucoup. Merci. Va sonner? Peut-être obligé de la ben oui. Ah, non, on répond. On va se mettre à jouer. Il répond. Non, non, je vais vous le donner. Téléphone? Votre nom, c'est? Hélène. Oui, allô? Okay. Oui? Non? Mais non, pourquoi? Non, il s'est trompé. OK, salut. Maman, elle est venue chez nous. C'est une ours qu'il a. Ah, ben ouais! Hey, ça se peut-tu de la nouvelle d'abord? Il n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. OK, mais vous direz que j'avais laissé une lettre dans le courrier. C'est tout. Ah, parce, qu'on est, on, parce que Stéphane est traversé la rue et on a trouvé. Il se demandait ce qu'on faisait ici. Simon, il y a moyen de tout savoir, hein? Il m'a demandé c'était quoi le problème, puis on lui a dit qu'on a porté des papiers. Ben non, mais il n'y a même pas moyen genre d'avoir une game de cartes normale sans qu'il appelle ici. Ben ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai deux cartes pour moi. T'en veux deux? Je m'en brasse deux, moi. Toi, Phil, il doit avoir quelque chose. Moi, j'en voudrais deux, s'il te plaît. Pas ça encore. Parce que... Non, je sais encore qu'est-ce que t'as fait. Bonjour, est-ce que je vais voir la Ghislain Girard? Le problème qu'il y avait, si tu voulais un petit agent de sécurité, il aurait fallu que tu prennes beau soleil. C'est gros. Mon No comments, no comments. Klaxon, klaxon, du service s'il vous plaît, ding ding. Bonjour messieurs, on fait le plein? Oui s'il vous plaît mon grand. D'accord, ordinaire ou super? Oh, vas-y pour l'extraordinaire, tiens. D'accord. Hey, fais pas de scratch sur mon char, toi. Merci. Voilà, monsieur, vos clés. Moi, du beau jacket que toi, mon grand, ça se vend-tu en rendez-vous ici? Non, pas du tout. Est-ce qu'on vous lave les vitres, monsieur? T'es-tu malade? Tu vas me cracher ça dans le dash. Peut-être vérification d'huile? Les vitres. Je t'ai dit non, mon grand. Vous allez voir, vous regretterez pas. Ah, oh, c'est vrai, ça vaut à peine. C'est beau. On vérifie la pression des pneus? Non, merci. Ah, oh, c'est beau. Regarde-moi ça, comment il fait ça, lui. Il a du talent.
Écoute, tu le pratiques-tu souvent, ton poignet? Question indiscrète. C'est quoi, tu veux pas répondre? Mais c'est pas parti, ça fait pas partie de mon mandat. Hey, j'ai pas de surprise, moi, avant de partir d'ici. Oui, cette semaine, en promotion, nous avons la voiture téléguidée de Hot Wheels. Si vous achetez plus de 25 litres d'essence, vous aurez évidemment gratuitement... Hey, ça commence à être cher en tabarnak, ça. Hey, tu vas me couper dans le prix? Pas du tout. Tu sais-tu où je travaille, moi? Pas d'argent pour payer ça. Klaxon, klaxon du service, s'il vous plaît. Oh, ben, ça fait 28,50, s'il vous plaît, monsieur. J'ai-tu le droit de te payer en salle noire? 1, 2, 3, 4, 5, 25. Merci. OK, salut. Merci, tu garderas bonjour. Le 20 comme change. Klaxon, klaxon du service, s'il vous plaît. Une pièce, je la garde. C'est mon type. Hey, attends pas que je débarque, que je te pète la gueule. C'est pas bien.